les gens de l'extérieur se disent déjà, les investisseurs privés là sont menacés matin, midi, soir. Voilà qu'on arrête des gens dans la rue et on leur arrache leur téléphone. Mais le risque pour l'investisseur international que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas lui-même. Non, il n'a pas peur que lui-même son téléphone soit arraché. Mais il se pourrait que dans sa société, il fasse confiance à ce monsieur-là ou à des personnes dans sa société avec lesquelles il a des discussions sérieuses. Et il se dit, si mon assistant, on l'arrête dans la rue et qu'on peut prendre son téléphone, on n'a pas besoin de prendre le mien. Mais dès qu'on peut prendre le téléphone de mon assistant, qui est un jeune homme béninois qui peut se balader dans la rue, aller acheter de l'huile ou bien machin, si on peut le prendre comme ça et arracher son téléphone, c'est qu'il y a un risque.